je ne peux pas, s'il se passe un mois au Cameroun, que je n'ai pas au moins manipulé 5 à 10 millions dans mes mains, ça veut dire que j'ai un problème. Donc il faut te mettre dans cet état d'esprit que tu dois manipuler l'argent, de bonnes sommes d'argent, que tu dois être riche. Ma personne, le monsieur qui va nous servir de mentor dans cette vidéo, c'est un monsieur qui s'appelle Antoine Landry Lomogo, plus connu sous le nom de Président Chop Chop. Président Chop Chop, en fait, c'est un animateur télé. Il présente une célèbre émission sur le canal international qui s'appelle Jambo. Je dois t'avouer que, après avoir suivi cette vidéo, il y a un peu plus d'une semaine, j'ai reçu une belle claque à la figure. Pourquoi ? Pour la simple raison que ce monsieur, je l'ai connu en tant qu'animateur, je l'ai connu en tant qu'humoriste, et j'étais à mille lieues de me douter qu'il était doté d'autant de pertinence, d'autant de sagesse, mais aussi et surtout d'autant d'expérience enrichissante. Donc ma personne, prends un siège, assieds-toi, parce que le message que ce mentor va partager avec toi aujourd'hui est à lui seul capable de changer ta vie tout entière. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je vais partager avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, je vais partager avec toi la deuxième édition d'une formation exceptionnelle qui s'intitule « Comment écrire et vendre votre livre rapidement ». C'est la deuxième édition parce que dans la première édition, suite aux nombreux résultats qu'on a eu, vous avez été de plus en plus nombreux à nous écrire pour nous dire « Valère, j'aimerais que tu organises une deuxième édition pour partager avec moi aussi tes techniques qui ont permis que tu puisses écrire un livre captivant, percutant, mais aussi et surtout très inspirant. Et c'est d'ailleurs mon deuxième livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business ». Et ce livre, pour te dire à quel point lorsque tu écris un livre, ça peut être pertinent, ce livre m'a ouvert énormément de portes à l'instant où je te parle. Parce que seulement 6 mois après avoir écrit ce livre, sachant que ça fait plus de 4 ans que je me suis lancé en business sur les réseaux sociaux, eh bien dis-toi que pendant ces 4 ans-là, je n'avais jamais été invité à un quelconque événement business. Mais il se trouve que seulement 6 mois après avoir écrit ce bijou de livre, que je suis sûr, après que tu l'aies lu, tu vas avoir ta vie complètement transformée. En tout cas, ce qui concerne le business et les études. Eh bien, j'ai reçu une invitation de la part de la CRTV Cameroun, première chaîne télé nationale. J'ai reçu une invitation pour donner une conférence à l'Université de Douala, Cameroun. Mais aussi et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que le 8 août 2021, je suis invité à Libreville, au Gabon, pour donner une conférence sur le business qui va juste être extraordinaire. Voilà quelques portes que m'ont ouvertes mon livre. C'est pour te faire comprendre que le livre, c'est un passeport. Le livre peut te permettre d'ouvrir les portes auxquelles tu n'aurais jamais pu rêver. Le livre te permet de te positionner en tant qu'expert dans ton domaine. Et tu sais aussi bien que moi que les gens aiment avoir affaire aux experts. Donc, si tu es perçu comme un expert, c'est très bon pour ton business. Donc, si tu as un business, écrire un livre dans ton domaine peut être très enrichissant. Par contre, si le business t'intéresse pas du tout, dis-toi que tu peux tout simplement écrire un livre pour transmettre quelque chose à la postérité et gagner de l'argent à partir de ce livre. Et au cours de cette masterclass inédite, je partagerai avec toi des outils révolutionnaires, des nouveaux outils taillés sur mesure juste pour te permettre à toi aussi d'écrire un livre captivant, percutant, mais aussi et surtout très, très, très pertinent. Et ce type d'information, c'est au cours de cette masterclass exceptionnelle. J'ai mis un point d'honneur à partager avec toi des outils qui vont te permettre de vendre ton livre parce que je me suis rendu compte que beaucoup savent plus ou moins écrire, mais très peu savent vendre pour la simple raison que ils ne savent pas définir leur lecteur avatar. Et au cours de cette masterclass, je te donnerai
point par point les différentes questions que tu dois te poser pour définir ton lecteur avatar. Moi aussi et surtout ma personne, je te montrerai comment adresser le bon message à la bonne personne de la bonne manière. Voilà en fait trois raisons pour lesquelles toi, si tu peux lancer ton, tu peux écrire ton livre dès aujourd'hui, mais des raisons, il y en a des tonnes. Je préfère de te citer que ces trois raisons-là. Cela dit, ma personne, pour toi aussi donner la chance à ton rêve d'être vrai pour de bon, tu as une seule chose à faire, c'est d'aller soit en description, soit cliquer sur le lien juste en haut pour réserver rapidement ta place pour vivre un moment inédit. Et ça, c'est le type de moment qu'il ne faut surtout pas louper. Et pour la petite histoire, il y a 3 mois en arrière, on a fait la première édition et dis-toi que des 21 personnes qu'on a accompagnées, il y en a 11 qui ont déjà leur livre sur le marché. Et parmi ces 11 personnes, il y en a qui ont déjà vendu plus de 200 exemplaires. Et il y en a même qui en ce moment gagnent de l'argent en dormant pour la simple raison que une fois qu'ils ont écrit leur livre, puisque c'est nous qui les avons accompagnés, parfois même c'est nous qui avons édité leur livre, eh bien, nous on se charge de la communication. Tu as pu le constater sur la chaîne, sur la page Facebook et aussi de la distribution dans le monde entier. Même au Népal, on expédie les livres. Eh oui, ma personne. Et en ce moment, les canaux de communication de Argent Livre enregistrent plus de 1,9 million de visiteurs tous les 28 jours. Donc, tu as vite fait de comprendre que la portée, si tu travailles avec nous, est juste énorme. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant que tu as tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valère, mais je préfère aussi et surtout me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc, sois comme moi, je t'invite ma personne, c'est de chercher fatalement l'argent. Si toi et moi nous sommes d'accord là-dessus, je t'invite tout de suite à écouter le message du président Chop Chop. À fond, je veux le dépasser. Et je vous dis, d'ici 5 ans, je vais compter parmi les multimilliardaires du Cameroun. Et je sais pourquoi je vais y arriver. Parce que j'ai un plan pour devenir multimilliardaire. Je n'ai pas de doute dessus. Je vais être multimilliardaire. Et ça, c'est dans ma tête. Personne ne peut me l'enlever. Je m'étais dit, il y a 7 ans, que je vais construire un immeuble sans prêter un sou à la banque. Je l'ai fait. Donc, chaque chose que vous pouvez projeter dans votre vie, vous pouvez réaliser. Ce n'est pas de la sorcellerie. Je ne suis pas du genre de coaching qui vous raconte les choses que je n'ai pas expérimentées. Je ne viens pas vous dire, oui, fais ça. Je ne suis pas un motivateur. Je fais du coaching, je ne fais pas de la motivation. La motivation, pour vous dire, tu peux. Mais sans te dire comment pour pouvoir. Moi, je m'insère des expériences vécues pour vous dire. Ma personne, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais le petit message que le président Chop Chop vient de partager avec toi, c'est un message qui est très puissant. Parce que tu sais, tout le monde dit, je veux devenir riche. Mais dire, c'est une chose. S'engager à devenir riche est une autre chose. Tu veux devenir riche, quel est ton plan? Tu vas me dire, Valère, oui, je veux devenir riche, mais je n'ai pas de plan, je ne sais pas comment m'y prendre. Ma personne, la meilleure manière d'apprendre, c'est de copier. Si tu veux devenir riche et que tu n'as pas de plan, tu peux faire un truc tout bête que beaucoup de gens font. Va sur Internet et tu tapes comment devenir riche. Ou alors, tu peux tout simplement identifier quelqu'un qui est devenu riche, chercher à te rapprocher de lui, copier son mode de pensée et adopter le même style de vie que lui. Et je suis sûr qu'au bout d'un moment, le chemin va se créer au fur et à mesure. Peut-être qu'au début, le plan ne sera pas clair, mais plus tu vas avancer dans ta quête, plus le plan va se préciser. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si jamais tu ne sais toujours pas comment je peux devenir riche, eh bien, dis-toi que le moyen le plus puissant de devenir riche, c'est de construire toi-même ton business. Si tu comptes sur le salariat pour devenir riche, eh bien, dis-toi que tu tires complètement à côté parce que les profits sont beaucoup mieux qu'un salaire et le salariat n'a jamais eu pour but de te rendre riche. Bref, le président Chop Chop t'en dira plus dans les prochains conseils. Sachez que tout ce que vous visez dans la vie, vous pouvez atteindre. Malheureusement, nous sommes très peu à viser. Nous sommes très peu à viser trop bas. Nous sommes très peu à penser que c'est les autres qui sont faits pour être riches, pas nous. Nous sommes très peu à nous sous-estimer. Et c'est là le vrai problème, c'est une question d'image de soi. Si en toi tu ne vois pas un millionnaire, tu ne seras jamais millionnaire. Si en toi tu ne vois qu'un galérien, un gars qui attend qu'on le dépanne au quartier, tu attendras le dépannage toute ta vie. Sors déjà de cet esprit de dépannage. Inscris-toi dans la logique de milliardaire, tu seras milliardaire.
Inscris-toi dans une logique de multimillionnaire, tu seras multimillionnaire. Et c'est des multimillionnaires qui deviennent milliardaires. Je n'ai pas peur de dire que je suis multimillionnaire parce que je le fais. C'était mon rêve. Je fais un métier qui me permet de l'être et je vis ça. Je ne peux pas, si se passe un mois au Cameroun, que je n'ai pas au moins manipulé 5 à 10 millions dans mes mains, ça veut dire que j'ai un problème. Donc il faut te mettre dans cet état d'esprit que tu dois manipuler l'argent, des bonnes sommes d'argent, que tu dois être riche. Si dans ta tête tu te vois toujours pauvre, rien ne changera. Tu vas accuser ton patron qui ne te paye pas bien, qui t'exploite. Si tu étais mine d'or, pourquoi tu ne t'exploites pas seul? C'est l'autre qui vient t'exploiter. Parce que c'est le monnaie courante. Hein? Tu vois un gars, regarde toute ma technique là, mon patron m'exploite, je le rends riche. Tu le rends riche. Hein? Parce que tu apportes ton petit coup de main là, tu crois que c'est ça qui fait la fortune d'un homme. Hé, hey, faites attention, il faut bien réfléchir. Ma personne, ça me fait énormément plaisir lorsque je vois un Africain qui puisait un Camerounais qui parle d'argent avec autant d'aisance. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu peux te permettre aujourd'hui de dire comme ça en public, juste même avec ta famille, de dire que je vais devenir multimillionnaire, je vais devenir multimilliardaire? Est-ce que tu peux te le permettre? Est-ce que tu peux parler aussi facilement d'argent? Si c'est non, c'est très certainement parce que toi-même, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton être entier, tu ne te vois pas encore comme un multimilliardaire ou un multimillionnaire. Pour la simple raison que pendant toute ta vie, tu as vécu avec des gens qui n'ont jamais pensé qu'eux aussi pouvaient devenir multimillionnaires. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est très subtil. Le plan financier intérieur qui est en fait basé sur notre subconscience, sur nos croyances, nous est transmis par nos figures d'influence. Notre père, notre mère, notre environnement, les personnes, nos figures d'autorité. Maintenant, la logique, c'est qu'il faut que tu réussisses à déconstruire ce type de croyances-là qui te font penser que tu ne peux pas toi aussi devenir multimillionnaire. Si tu veux devenir riche, il faut d'abord penser comme un riche, ensuite se comporter comme un riche et après tu obtiendras comme un riche. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux en savoir plus en ce qui concerne la logique de l'enrichissement, il y a quelques mois en arrière, j'ai sorti une formation mythique qui s'intitule « Comment développer ton intelligence financière ». Cette formation est juste exceptionnelle et tu ferais vite d'aller sur notre site internet agentlibre.com en description pour toi aussi entrer en possession de cette formation ou tout simplement contacter le numéro qui s'affiche en dessous de l'écran et tu auras vite fait de te rendre compte que la raison pour laquelle tu as les résultats financiers que tu as aujourd'hui, c'est très certainement parce que ton plan financier intérieur est complètement à zéro. Je veux vous parler de la vie d'un autre phénomène qui est devenu richissime, multimilliardaire, alors qu'il a tiré le diable par la queue. Il balait déjà deux excuses. D'abord, l'instruction. Certains qui disent qu'ils n'ont pas de diplôme, voilà pourquoi ils ne font rien de leur vie. Voilà Ray Kroc. Ray Kroc, c'est cet Américain qui est propriétaire des restaurants McDonald's, de la marque McDonald's à travers le monde. Le jour où le Cameroun aura un McDonald's, vous serez le premier à courir aller manger dans un McDonald's. Comprenez au moins l'histoire de McDonald's. Cette chaîne de restaurants a été créée par deux frères. Le concept de restaurant McDonald's, fast food, a été créé par deux frères, les frères McDonald's. Mais eux, ils avaient une vision courte. Un autre Américain est sorti derrière les damés le pion et racheté le concept, racheté même leur nom, racheté tout le concept McDonald's. Il s'appelle Ray Kroc. Ray Kroc abandonne l'école à 14 ans. Je ne suis pas en train de vous dire de sortir vos enfants des classes et mettre dehors. Attention, les contextes ne sont pas les mêmes. Ray Kroc arrête l'école parce qu'il veut se lancer dans la vie, parce qu'il a vu là où il y a son intérêt. Et Ray Kroc me rappelle un papa de mon village qui a fait pareil avec son fils. Lorsque son fils allait prendre la liste des fournitures d'université, les collages qu'il allait payer sur un an, il a calculé, il était à 1 200 000 pour un enfant. Il dit, mon fils, regarde, il te faut combien d'années pour sortir? Il dit, 5 ans, papa. Il dit, 5 ans, ça me fait 6 millions. En 5 ans, si tu vas payer 1 200 000 par an, pendant 5 ans, ça fait 6 millions, plus la nourriture que tu vas manger, plus le taxi. C'est un fonds de commerce. Arrangeons-nous, tu as déjà le bac, tu sais écrire ton nom. On fait comment? Je te donne 3 millions, tu lances ton commerce. Ou tu veux que je paye les 5 millions, les 6 millions, tu pars te débrouiller pour aller chercher le travail après.
Parce que dans 5 ans, ton frère qui a accepté que je lui donne cette somme, il sera plus loin que toi et tu risqueras de devenir son employé. L'un a accepté, l'autre a refusé. Conséquence, 5 ans après, le père n'était plus de ce monde. Son frère était déjà multimillionnaire. Il avait son affaire tournée à merveille. Il est devenu l'employé de son frère. Exactement comme le père. Donc, Ray Rock quitte l'école à 14 ans pour poursuivre son rêve. Il apprend à devenir vendeur. Il est excellent vendeur. Il vend du tout. Et je vous dis, il vend du tout. Et un jour, Rock travaille dans une entreprise. Il sait qu'il rapporte beaucoup d'argent. Il sait qu'il fait beaucoup pour l'entreprise. C'était un bosseur. Ne dis pas, tu vas abandonner l'école pour aller faire... Après, tu te retrouves à raser les murs. Il faut être capable de poursuivre un rêve. Et c'est ainsi que Ray Rock s'est battu. D'une entreprise à l'autre, il était vendeur. Il vendait. Et un jour, ses patrons décident de faire une restructuration. On lui dit, monsieur Rock, nous ne pouvons plus vous payer tel salaire tel que prévu parce que nous n'avons plus ces moyens. On va vous ramener au niveau des autres vendeurs parce qu'on a recruté d'autres vendeurs comme vous. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Ray Rock débarque devant son patron demain, il prend sa lettre et dit, je démissionne. Il dit, pourquoi? Il dit, je connais ma valeur. Je sais ce que je rapporte dans cette entreprise. Je sais comment je vends. Je sais quel a été mon impact. Je connais les horizons que j'ai ouverts. J'ai découvert des nouvelles niches que j'ai ramenées au profit de la maison. Vous ne pouvez pas me mettre sur la balance avec les gens qui sont là juste pour profiter du chemin que j'ai balisé déjà. Alors si vous ne me payez pas comme tel, je m'en vais. Il a claqué la porte. 2 semaines après, son patron le suppliait en lui mettant un chèque en blanc devant rempli. Parce qu'en 2 semaines, ils ont senti l'accent de Ray Rock parce qu'il était un vendeur d'exception. Et c'est comme ça, Ray Rock rencontre les frères McDonald's qui étaient propriétaires d'un restaurant d'un autre genre où les gens s'alignaient pour prendre du hamburger et rentrer le soir à la maison. Un restaurant fast-food où tu es pressé, tu t'arrêtes, tu gardes, on te livre, tu payes, tu t'en vas. Il était tellement impressionné, il venait vendre aux frères McDonald's les milkshakes, les appareils pour faire les milkshakes. Les mixeurs, les appareils de mixeurs de lait là, qui mélangent plusieurs laits, les poudres pour faire des milkshakes, une crème très agréable à boire. Alors c'était son business. Il vend les milkshakes, il voit un potentiel incroyable dans l'affaire des frères McDonald's. Il leur propose de devenir leur partenaire et il fournit les milkshakes dans les restaurants McDonald's et il gagne au pourcentage. Les frères McDonald's acceptent. Sauf que Ray Rock est plus ambitieux que eux. Il voit plus grand que les frères McDonald's. Parce que dans la vie, vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée originale pour devenir riche. Vous pouvez aussi partir d'une idée qui existe pour développer. Et beaucoup de gens sont partis d'une idée existante pour devenir multimilliardaire. Au Cameroun, nous avons des exemples. Regardez par exemple le patron de Express Union. Il a travaillé à la poste. Il a travaillé dans le secteur du transfert d'argent à la poste. C'est quand il va en stage au Canada, il vient expliquer à ses patrons comment on doit révolutionner le transfert d'argent au Cameroun. Ceux-ci mettent son rapport, ils mettent au tiroir. C'est là où il se dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Je vais donc développer le transfert d'argent de proximité. Sortir de la poste, aller danser mon business. Et tout le monde sait que ce monsieur multimilliardaire, il est député à l'Assemblée nationale, il compte parmi les hommes les plus riches du Cameroun. Parce qu'il a développé ce qui existait déjà. Vous aussi, vous pouvez partir de ce qui existe, corriger et devenir riche. Ray Rock est parti d'une idée qui existait. Les frères McDonald avaient une idée géniale, mais ils ne voyaient pas grand. Ray Rock le dit, il faut étendre les restaurants dans tous les États-Unis. Il dit, non, nous sommes ici déjà, ça nous dépasse. On reste là. Ray Rock sait que lui-même, il peut aller créer sa part et baptiser Ray Rock. Il dit, non, ces gars, ils sont déjà très populaires. Ils ont déjà une machine bien rodée. Je suis partenaire, je vois les chiffres. Si je rachetais plutôt leur part, je les mettais un montant qu'ils ne peuvent pas refuser devant eux pour faire signer. Qu'est-ce que ça donnerait? Ils s'allient à un ami qui est financier. Ils font des calculs, ils font des projections. Ils voient qu'en rachetant, les frères McDonald's vont abandonner les choses. Ils sont allés voir les frères McDonald's, ils ont fait une proposition que les frères McDonald's ne pouvaient pas refuser. Et c'est ainsi, Ray Rock récupère l'affaire entre les mains des frères McDonald's. Développe les restaurants McDonald's maintenant, commencez l'extension des McDonald's, formez le personnel et redessinez la charte de McDonald's. Et quand les gens, vos frères qui viennent de la diaspora peuvent vous parler de McDonald's, on appelle Ray Rock le poète du hamburger. Parce qu'à ce moment, il a dessiné la charte McDonald's
comment devait être le hamburger. Le hamburger doit avoir telle circonférence, le diamètre doit être de temps, l'épaisseur de la viande hachée doit être de temps, les crudités doivent être de tel niveau, on doit mettre telle feuille de laitue, X feuille de laitue, ainsi de suite. C'est comme ça que Rerock a créé une charte McDonald's qui est respectée dans tous les restaurants McDonald's. Et dans tous les McDonald's, vous allez voir, c'est la même configuration, les mêmes types de chaises, les mêmes écrits. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas d'erreur. Et Rerock a mis des années à apprendre à faire les frites de manière à avoir des meilleures frites de pommes possibles. Avant, vous savez, ici, quand nous faisons les frites de pommes, même si on les a bien taillées comme les frites de McDonald's, ça ressort de la poêle toujours avec plein d'huile dedans, ça pèse. C'est ça le problème. Vous allez manger les frites de McDonald's, vous n'aurez pas d'huile au milieu, ce serait léger. Mais il a fallu des années à Rerock pour travailler et trouver le secret des meilleures frites et du meilleur hamburger. Il a investi pour cette recherche et aujourd'hui, McDonald's est devenu une réussite planétaire, un succès planétaire dans tous les pays du monde. Vous trouvez McDonald's. Je dis dans tous les pays du monde, sauf en Afrique. Dans tous les grands pays du monde, vous trouvez McDonald's. En Afrique du Sud, beaucoup de Camerounais, pendant la Coupe du Monde, ont découvert les restaurants McDonald's. Je crois qu'ils doivent y être en Côte d'Ivoire bientôt, peut-être au Cameroun. On nous annonçait l'ouverture d'un McDonald's à côté d'Aqua Palace il y a quelques années, mais apparemment le projet n'a pas abouti. Voilà comment un monsieur à l'âge de 56 ans devient millionnaire. Pour ceux qui disent qu'il est trop tard pour tenter la chance, Rerock, s'il vous plaît, était diabétique, sérieusement malade, quand ils engageaient dans cette richesse. Donc, même les fausses raisons de mauvaise santé ne tiennent pas. Si votre santé est boiteuse, vous pouvez la réparer. Ce n'est pas ça qui vous empêche d'être milliardaire. Donc, Rerock était malade, mais il ne s'est pas couché sur sa maladie. Il dit, oh, je suis très malade, vraiment, à 56 ans, il faut que je veille sur ma santé. Non, c'est à 56 ans qu'il est devenu millionnaire en dollars. Quand il a racheté l'affaire des frères McDonald's. Et aujourd'hui, il est mort multimilliardaire en dollars et il a laissé une affaire florissante pour des siècles et des siècles. McDonald's est parti pour vivre toute la vie. Je sais pas ce qu'il remplacera McDonald's. Tant que les gens auront faim, auront besoin d'un hamburger, ils penseront à McDonald's et continuent de développer les produits et ses héritiers continuent de faire exploser le business. De cette intervention, je retiens trois leçons. Première leçon, l'ignorance de nos capacités nous pousse à nous sous-évaluer. L'histoire de Rerock, je la connais parce que j'ai eu le temps de suivre ce film-là sur Netflix. Le titre du film, c'est « Le fondateur ». Et dans ce film, on explique clairement comment a évolué McDonald's. Et donc, le président Chop Chop montre ici que si tu ne connais pas ta valeur, tu vas te faire exploiter. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous se font exploiter. Exploiter, c'est un mot entre guillemets, parce qu'on s'exploite nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous passent complètement à côté de tout ce qu'ils peuvent réaliser parce qu'ils ne connaissent pas leurs compétences, parce qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs, parce qu'ils ne arrivent pas à mesurer leurs capacités. Eh oui, je rencontre des fois des dames, cadres d'hôpital, ça veut dire que leur travail est manager des équipes au quotidien. Mais quand tu lui dis que toi-même, tu peux lancer ton propre business, même dans la santé, elle te dit que non, elle n'est pas capable. Comment tu n'es pas capable? Tu es cadre. Ça veut dire que ce que tu fais le travail d'un entrepreneur. Un entrepreneur gère des équipes, tu es cadre, tu gères des équipes, tu gères des plannings, tu gères des problèmes. Bref, tu es tout le temps en train de gérer des problèmes. Et le rôle d'un entrepreneur, c'est gérer des problèmes. C'est vrai, il y a certains stress que tu n'as pas, mais ce stress en vaut la peine si jamais tu vas accomplir quelque chose de grand. Donc, première chose à faire, c'est de faire le point sur tes capacités, tes compétences, mais aussi et surtout ta valeur. Deuxième leçon que je retiens de ce petit passage, c'est que pour poursuivre un rêve, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens de poursuivre ton rêve. Parce que lorsque tu nais, la société a déjà un rêve pour toi. Maintenant, toi, tu as ton propre rêve à toi. Et il se trouve que poursuivre ton propre rêve, très souvent, ça se résume aussi à aller à l'encontre du rêve que la société avait pour toi. Et lorsque tu vas à l'encontre du rêve que la société avait pour toi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être très souvent confronté à certains obstacles. Et pour ça, il va falloir que je te donne les moyens d'aller au-delà de ces obstacles-là.
Et justement, des personnes qu'on recrute ont pu se donner les moyens d'aller au-delà de ces obstacles-là. Et sache que pour poursuivre ton rêve, tu vas devoir payer un prix. Et parfois même, c'est le prix du sang, c'est le prix de beaucoup de sacrifices, c'est le prix vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Mais sache que on n'obtient rien sans effort. Si tu veux pouvoir réaliser un rêve, sache que tu vas devoir payer le prix. L'humiliation, les insultes, parfois même, tu vas être rejeté. Mais sache que ça fait partie du processus. Et la troisième leçon que je retiens de l'histoire de Rick Rock, c'est que un business qui n'évolue pas, s'éteint. Les frères McDonald's n'avaient pas pour ambition de faire évoluer leur business. Mais comme Rick Rock a vu que c'était un business qui pouvait être très lucratif, en suivant le film, on avait vite fait de comprendre qu'à un moment donné, il avait tellement de parts dans l'entreprise à tel point qu'il a fini par racheter celle des frères Dick et McDonald. Eh oui, et en rachetant ça, il a même racheté le nom de telle enseigne que si eux-mêmes, ils ouvraient un autre restaurant, ils n'auraient plus jamais pu utiliser le nom de la marque McDonald's. Parce qu'ils voulaient rester une petite entreprise. De ma personne, tu as un business, si tu veux juste rester là, sache qu'au bout d'un moment, il va s'éteindre. Parce que les gens autour de toi voient très bien que ce business est lucratif et ils vont venir pour te damer le pion. Donc, c'est à toi de faire avancer ton business. Président Chop Chop, continue à nous enjailler. Pour ceux qui disent qu'ils sont trop jeunes pour commencer, on a pris l'exemple d'Henry Ford hier à 15 ans. À 17 ans, il a découvert sa passion. À 29 ans, il avait inventé une automobile à moteur. Prenez aussi l'exemple de Mark Zuckerberg, qui est votre star, l'inventeur de Facebook. Il a découvert sa passion pour la programmation informatique à 12 ans et demi. Il a lancé Facebook à l'âge de 20 ans. C'était en 1984. À l'âge de 20 ans, s'il vous plaît. Et rappelez-vous également qu'il y a des jeunes Camerounais multimilliardaires à 30 ans. J'ai cité deux cas. Dr Raoul Ruben Genou, qui a fait fortune dans le marketing des réseaux, il a été milliardaire à 36 ans. Émile Parfait Sim, qui a fait fortune dans la crypto-monnaie, il est milliardaire à 36 ans. Aujourd'hui, il a 38, mais il est multimilliardaire. Donc, ça arrive à tout le monde. S'ils ne s'étaient pas dit qu'ils ont, que pourquoi pas moi aussi, s'ils n'avaient pas dit pourquoi pas moi aussi, en regardant d'autres personnes faire, ils seraient encore dans un stade où personne ne connaîtrait même leur nom. Donc, si vous voulez changer votre vie, commencez dans la tête et balayez les excuses. Malheureusement, il est commun de voir des gens qui pensent que jeunesse rime avec pauvreté alors qu'il n'en est rien. Alors même que les expériences nous prouvent au quotidien que jeunesse ne rime pas forcément avec pauvreté. Il y a quelques années, j'ai pris un peu de recul. Je me suis rendu compte qu'en général, il faut en moyenne 5 à 7 ans pour devenir multimillionnaire et un peu plus de 10, 15, 20 ans pour devenir multimilliardaire. Donc, tu as vite fait de comprendre que si toi, tu veux devenir riche, si tu veux devenir multimillionnaire, si tu veux devenir multimilliardaire dans 5 ans ou dans 15 ans, il est très important que tu commences maintenant pour que peut-être à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, que tu sois déjà multimillionnaire et profiter pleinement de cette richesse-là. Parce que moi, j'estime que c'est quand on est jeune, quand on a beaucoup d'énergie, quand on a encore beaucoup de vigueur, qu'on doit chercher à devenir riche pour pouvoir profiter pleinement de cet argent, profiter pleinement de tout ce que la vie a de beau à nous offrir. Parce que devenir riche à 65 ans, 70 ans, quand on est déjà sur le fauteuil roulant, honnêtement, je pense qu'il n'y a plus glamour. Donc, sachez que ce qui peut vous empêcher de réussir, ce n'est pas les circonstances autour de vous. C'est ce qui se passe dans votre mental. Si vous vous sentez trop vieux, ah oui, vous serez vraiment vieux. Comme ces personnes qui finissent le boulot, qui prennent leur retraite, rentrent au village parce qu'ils pensent que la retraite veut dire vieillesse. Et vous allez constater que tous les aînés qui ont arrêté de travailler sont allés se coucher. Ils sont morts dans les 10 années qui suivaient. Parce qu'en fait, ils ne vivent plus normalement. Le cerveau ne fonctionne plus. Le cerveau s'atrophie et n'accepte plus que des maladies. Les maladies se multiplient. Il va te parler de prostate. Le matin, il va te parler de diabète. Le lendemain, hypertension. Le cœur bat en désordre. Tout ça à cause du fait qu'il ne fait plus rien. Quand tu deviens inerte, inactif, tu appelles les maladies. Tu dis aux maladies, mon corps est votre champ de travail. Venez, venez le chercher. Or, quand tu es actif, tu bouges. Ta tête bouge à tout moment, tu n'as pas le temps de tomber malade, tu n'as pas le temps de voir, tu bosses, tu es utile. Mais si tu te bloques l'esprit, tu dis oui, je vais me coucher là, vraiment, ça ne va pas, je suis vieux. Non, mais la vieillesse va vraiment t'embrasser.
Donc, copier l'histoire de Ray Rock et de Henry Ford. Ray Rock, lui, il n'a pas le complexe d'instruction. Il n'a pas été à l'université, il n'a même pas été au collège, mais il est multimilliardaire. Copier Ray Rock sur son âge. Le problème avec nous, c'est que certains parents nous ont fait croire que pour devenir riche, forcément, ou atteindre un certain niveau, il fallait forcément se compromettre dans le FAMLA, la franc-maçonnerie, des différentes loges. Mais à vous entendre avec ces différentes histoires motivantes, on ne parle jamais de mauvaises conditions de compromission. C'est comme ces enfants à qui on a dit que le porte-monnaie magique allait changer leur vie. C'est ça. Tout le monde a déjà eu entendre parler de ça. Nous, quand on était jeunes en Consamba, on nous parlait d'un phénomène qu'on appelait vivre heureux et mourir jeune. On dit, si tu veux vivre heureux, viens, on t'inscrit dedans et tu vas mourir jeune. Et les gens qui avaient l'argent, malheureusement, s'ils meurent d'un accident, on dit, ah, il avait signé vivre heureux et mourir jeune. Tout ça, c'est de la foutaise. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais ceux qui choisissent cette voie savent quel avenir leur attend. Il faut arrêter de penser salaire. Je vais vous dire une chose. Il n'y a qu'une seule philosophie qui vous rendra riche. La richesse dépend de la philosophie que vous avez choisie. Les salaires, il faut vous mettre dans la tête que les profits valent mieux que les salaires. Les profits valent mieux que les salaires. Les salaires vous permettent de vivre, résoudre vos problèmes du quotidien, oui. Mais les profits construisent votre fortune. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. Aucune école dans le monde n'enseigne comment on devient entrepreneur, comment on gère l'argent. Aucune école ne nous apprend l'argent. Ceux qui apprennent l'argent, c'est comment compter l'argent des autres, les comptables. Ils n'apprennent jamais comment créer la richesse. Ce n'est pas un problème du Cameroun, c'est partout dans le monde. Mais apprenez de vous-même comment créer des richesses. C'est notre objectif sur cette antenne, vous accompagner à devenir les créateurs de richesses. Ça, c'est la question qui revient très souvent. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur? Moi, j'ai envie de dire, en soi, personne ne peut vraiment t'expliquer comment devenir entrepreneur. Ce que les entrepreneurs peuvent faire, c'est partager leur expérience, te donner quelques poteaux indicateurs qui te permettront toi aussi de faire ton propre chemin et pourquoi pas devenir le futur Aliko Dangote, le futur Bill Gates ou tout simplement le futur Mark Zuckerberg. Personne ne peut vraiment te donner la réussite. Mais tout ce que les gens peuvent faire, c'est te donner quelques outils qu'ils ont utilisés et que d'autres personnes ont utilisés et qui ont réussi. Et toi aussi, tu vas implémenter dans ta propre vie, mettre à ta sauce et voir si tu réussis ou pas. Tu sais, tu peux utiliser la même stratégie que quelqu'un d'autre et ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a certains paramètres qui ne dépendent pas de toi, parce que nous sommes tous différents les uns des autres ou alors parce qu'il y a des trucs qui, franchement, tu ne peux pas vraiment avoir d'impact dessus. Voilà la raison pour laquelle, moi, je trouve que poser la question de savoir comment est-ce qu'on devient entrepreneur, ce n'est pas la bonne question à se poser. Moi, je pense que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que moi, je peux apporter à ce monde? Moi, ben, ça, c'est la bonne question à se poser. Dès lors que tu te positionnes comme quelqu'un qui veut apporter quelque chose à son entourage, qu'est-ce qui se passe? Tu te positionnes comme quelqu'un qui veut résoudre les problèmes. Et quand tu commences à résoudre les problèmes, il faut que tu saches aussi comment vendre la solution à ces problèmes-là. Et à partir du moment où tu vends des solutions à un problème, qu'est-ce qui se passe? Tu es entrepreneur. Donc voilà ma personne, la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle t'a au moins autant inspiré qu'elle m'a inspiré. J'espère vraiment que tu m'aideras à partager cette vidéo massivement afin qu'elle puisse atteindre le président Chop Chop et que je puisse un soir pouvoir la voir en direct pour qu'il nous partage encore un peu plus d'inspiration parce que cette petite capsule vidéo m'a permis de me rendre compte qu'il a beaucoup plus à partager que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu le connais, mais si tu ne le connais pas, s'il te plaît, partage massivement cette vidéo à tel point qu'il puisse lui aussi la voir et qu'il puisse comprendre que je souhaite la voir en direct. Je pense que ça me fera du bien de l'écouter un peu plus, mais aussi à toute la communauté Argent Livre d'écouter ce monsieur partager son expérience parce que je sens qu'il a beaucoup à nous apprendre. Cela étant ma personne, pour nous contacter, je laisse un numéro juste en dessous de l'écran. Tu peux tout de suite nous contacter sur WhatsApp si jamais tu sais comment est-ce qu'on peut faire pour entrer en contact avec ce monsieur ou pouvoir l'inviter sur un live sur la chaîne Argent Livre. Donc voilà ma personne. Ainsi s'achève cette vidéo. Et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Nina Kano.